Yeah.
Quelqu'un, tu bénis. Veuillez vous asseoir. Nous sommes à une rencontre de prière. On dit amen. Tu as quelqu'un, nous sommes à une rencontre de prière. Alléluia. Mon exhortation ce soir, le thème, je vais parler à Satan. Depuis que tu es là, tu n'as pas encore parlé au diable. C'est pour ça qu'il est assis. Je vais parler à Satan. Alléluia. Amen. C'est le thème de mon exhortation ce soir. Nous allons parler au diable. Vous savez, on appelle Satan, il veut dire adversaire. On appelle diable, il est notre ennemi. Il faudrait que quelque chose sorte de ta bouche. Il faudrait que tu t'adresses à Satan ce soir. Il faudrait que tu t'adresses à l'argent de Satan ce soir. Il a besoin d'une seule parole. Amen. Il faudrait que tu parles au diable ce soir. Alléluia. On dit amen. Amen. Nous prenons la parole de Dieu. Dans le livre de Jérémie, et plutôt le livre de Jean, le chapitre 1, le verset 34. Jean, le chapitre 1, le verset 34. Jean, le chapitre 1, le verset 34. Qui est prêt à parler au diable? Qui veut parler au diable? Il faut amen seulement. Hein? Je te vois tout à l'heure en train de parler. Pour parler au diable, il ne faudrait pas être content de ta situation dans laquelle tu te trouves. Or, à l'église que nous sommes chrétiens. Aux chrétiens, Jésus a donné un pouvoir. Amen. Amen. Jésus nous a donné le pouvoir sur le diable. Il dit, je vous ai donné le pouvoir sur le diable. Le pouvoir de marcher sur les scorpions, les serpents et sur toute la puissance de Satan. C'est parce que tu n'as pas encore parlé, tu n'as encore rien dit, que le diable a encore assis sur ta vie. Tu n'as encore rien dit à Satan. Il faudrait que tu dises un mot à Satan ce soir. Dis amen. Amen. Il faudrait que tu dises quelque chose au sorcier ce soir. Amen. Prenez la Bible. Jérémie, le plutôt Jean, le chapitre 11, le verset 34. Il est facile que vous êtes fatigués, d'autres sont fatigués. Il y a plein de monde dehors. Amen. C'est pour ça qu'on veut construire, agrandir les lieux. Alléluia. Amen. 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 Alors, prenons la parole de Dieu. Jean, le chapitre 11, le verset 34. Et il dit. Et il dit. Où l'avez-vous mis? Où l'avez-vous mis? Seigneur. Seigneur. Lui répondit-il. Bien répondit-il. Viens et vois. Viens et vois. Jésus pleura. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent. Voyez comme il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent. Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne meurt point? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit. Oui. Seigneur. Seigneur. Il sent déjà. Il sent déjà. Car il y a 4 jours qu'il est mort, il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Très bien. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Lazare sort. Et le mort sortit. Alléluia. Amen. J'ai intitulé mon message, il faudrait que tu parles à Satan ce soir. Regardez cette histoire, il s'agissait là de la mort, d'une maladie, de la mort de Lazare. Lazare qui était l'ami de Jésus. Jésus avait l'habitude de fréquenter une famille à Béthanie. Donc il y avait pour soeur et frère Lazare, c'est-à-dire Marie et Marc. Jésus est venu un jour faire une croisade à Béthanie. Il séjournait à Béthanie. Il est retourné, il allait en province pour faire une croisade. Et après, on avait une information pour dire que celui que tu aimes, c'est lui qui mangeait les âmes déjà. C'est toi qui manges triple. C'est avant la. C'est dans la démarche.
Monsieur, je vous demande, pourquoi vous parlez? C'est vous qui mangez en bas là. Avec Fofou. Hein? C'est vous qui mangez Fofou. Vous prenez vos enfants, mettez dans le ventre. Hein? C'est ça? Tu comprends français? Tu comprends français? Hein? C'est ça? Et du coup, là, Jésus il reçoit une information pour dire Lazare est malade. Jésus est resté 4 jours. C'est quand Lazare est mort que Jésus est parti. Pourquoi? Parce qu'il avait la solution du problème. Toutes sortes de problèmes. Vous savez, le Dieu à qui vous appartenez a la solution de ton problème. Il a la solution de ton problème. Il t'a donné même le pouvoir sur ce problème-là. Quand Jésus s'est rendu à Béthanie, la seule chose qu'il fallait à Jésus, c'est de parler. Il dit, vous l'avez vomi. Jean le chapitre 1, verset 34, il dit, vous l'avez vomi. Amen. Amen. On dit, viens et vois. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a parlé, il a parlé aux morts. Jésus s'adressait aux morts. Je veux que tu parles ce soir la maladie. Je veux que tu parles ce soir ta situation. Je veux que tu parles à quelque chose ce soir pour que Dieu change quelque chose dans ta vie. Amen. Je ne vois pas quelqu'un dire amen. Amen. Je ne vois pas quelqu'un dire amen. Amen. Dans la présence, du Seigneur. Cette personne qui peut résoudre tous les problèmes. Tant que personne n'a pas parlé, il n'aura pas de solution. J'aimerais qu'on s'éteigne de vous. Il faut que quelque chose se passe dans ta vie. Ouais, il faut que quelque chose se produise dans ta vie. Il faut que la situation dans laquelle tu te trouves change. On dit amen. Amen. Il faut que tu t'adresses à la maladie. Il faut que tu t'adresses à la situation dans laquelle tu te trouves. Amen. Il faut que tu dises une parole. Donne une parole. On dit amen. Amen. Nous levons la main comme ça droite et commencer à prier. Il faut commencer à ordonner. Il faut commencer à prier. Parce que Christ t'a donné l'autorité. Je vais entendre les gens parler, s'il vous plaît. Je sonne pour la tiédeur. Je veux que vous. Je veux te voir parler. Je veux te voir parler. Adresse-toi à la situation. Parle à la situation. Parle à la situation. Adresse-toi à la situation. Au nom de Jésus. Parle à la situation au nom de Jésus. Vous commandez. Dis au diable, lâche ton corps. Dis au diable, lâche ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Parle à la situation. Parle à la situation. Au nom de Jésus. 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 Au nom de Jésus, nous prions tout le monde, prie. Prie, prie, prie. Prie. Au nom de Jésus. 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 Je veux voir tout le monde en train de lever la main. Lever la main. Ferme ta bouche. Tu vas demander, tu vas maintenant recevoir. Lève ta main. Je vais parler au diable. Je vais parler à la maladie ce soir. Je vais parler à la situation dans laquelle tu te trouves. Je vais parler à cette situation. Parce que Dieu, Jésus-Christ est mort à la croix. Il a pris sur lui la maladie. Cette maladie dans laquelle tu te trouves. Jésus a pris cette maladie à la croix. Je vais parler à la situation ce soir. Je m'adresse à la maladie. La maladie qui habite ton corps. Je m'adresse à cette maladie. Je commande à la maladie. Maintenant, pendant que je pars, j'ordonne à la maladie de lâcher ton corps. Au nom de Jésus. Maladie, c'est à toi que je m'adresse ce soir. Maladie, c'est à toi que je m'adresse ce soir. Je m'adresse à toi ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth, je t'ordonne maintenant de lâcher sa vie au nom de Jésus. Je vais parler à l'esprit de mort. Je vais parler ce soir à l'esprit de mort. Oui, un esprit de mort dit cette fille, tu vas lâcher sa vie. Tu es un esprit de mort. Tu
Tu es un esprit de mort. Toi qui détruis la vie de cette fille. Je m'adresse à toi cette nuit. Parce que Jésus-Christ a vaincu la mort à la croix. Jésus a vaincu la mort. Et je commande à la sorcellerie. Oui, lâche-la. 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 Au nom de Jésus. Lâche la vie. Lâche-la. Maintenant même, Jésus te délivre. Il libère ton corps. Les sorciers n'auront plus d'autorité sur toi. Les sorciers n'auront plus d'autorité sur toi. Pendant que je prie, Dieu est en train de guérir une personne, deux femmes qui ont un problème dans le ventre. Pendant que je prie, Jésus-Christ en train de guérir deux femmes qui ont un problème dans le ventre. La puissance de Dieu en train de te guérir. Oui, derrière de l'autre côté, la puissance de Jésus, la puissance de Dieu en train de te guérir. 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 Je sens la main de Dieu en train de guérir. Dieu en train de guérir. Je parle de deux femmes. Il y a encore deux autres personnes que Dieu est en train de guérir. J'ai un problème de ventre. La sorcellerie a mis quelque chose dans ton ventre. Jésus-Christ en train de te guérir. Jésus-Christ en train de te guérir. Jésus-Christ en train de te guérir. Jésus-Christ en train de guérir. Au nom de Jésus. Ce ventre, la puissance de Jésus. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Libère ton ventre. Femme. Femme. Le feu. La puissance de Jésus. Libère ton ventre. Maintenant même. La grâce de Dieu et la main de Jésus-Christ te délivre. Maintenant. Maintenant même. Au nom de Jésus. Reçois ta délivrance. Je détruis ce cafard que les sorciers ont produit dans ton ventre. Femme. Je détruis la présence de ce cafard que les sorciers ont produit dans ton ventre. Je détruis cette présence. Au nom de Jésus. La puissance de Dieu. La puissance de lui. La puissance de Dieu. Libère ton ventre. Maintenant même. Maintenant même. Feu! 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 Lâchez son vent. Lâchez son vent. La puissance de Jésus te libère. La puissance de Dieu. Femme, voici ta délivrance. Jésus te délivre. Jésus te délivre. Au nom de Jésus, reçois ta délivrance. Dieu est en train de guérir ton ventre malade. Dieu est en train de guérir ton ventre. Dieu te délivre maintenant. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Go! Donne-moi un pain attaché. Au nom de Jésus. Vous lâchez totalement son ventre. Au nom de Jésus, femme, Jésus te délivre maintenant. Jésus-Christ te libère maintenant. La puissance de Jésus te libère maintenant. La puissance de Dieu te délivre maintenant. Au nom de Jésus, lâchez-la. 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 Au nom de Jésus. Jésus libère ton ventre. Jésus-Christ te délivre maintenant. Jésus-Christ te délivre maintenant. Femme, la puissance de Jésus te délivre. La puissance de Jésus te libère. La présence de Dieu te délivre maintenant. Reçois maintenant même ta délivrance. Reçois maintenant ta délivrance. La main de Dieu te délivre maintenant. La main de Dieu Jésus te délivre. Tu reçois maintenant ta délivrance. Au nom de Jésus, je maudis cette présence. Je maudis cette présence dans ton ventre. La puissance de Jésus te délivre. Merci Seigneur. Toujours la main levée, nous prions le Seigneur. La puissance de Jésus. Vous lâchez totalement ça. Lâchez. Je détruis les liens. Je brise le pouvoir de l'esclavage spirituel, la pauvreté, la misère. Je détruis cette présence dans ta vie. Je commande aux esprits. La sorcellerie de libérer totalement ta vie. La puissance de Dieu, frère, te délivre. Sois ta délivrance. Go! Feu!
libérer ses finances et vous libérer totalement sa vie. Dans le nom de Jésus, je proclame ta délivrance. Et maintenant, je proclame totalement ta délivrance. Je te libère maintenant même. Et dans le nom de Jésus, je proclame ta délivrance. Et maintenant même, et dans le nom de Jésus, reçois totalement ta délivrance. Reçois ta délivrance. Maintenant même, dans le nom de Jésus, reçois. Je te libère aujourd'hui. Je te libère aujourd'hui. Je te libère aujourd'hui. Je te libère maintenant. Maintenant même. Maintenant même. Ce vent est libéré. Ce vent est libéré. Ce vent est libéré. La puissance de Jésus te délivre maintenant. Sa puissance te délivre. Reçois ta délivrance. Et maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je déduis ta présence dans ce corps. Je la libère maintenant même. Je te libère maintenant. Au nom de Jésus. Je lâche totalement sa vie. Je la libère maintenant même. Au nom de Jésus de Nazareth. Je proclame ta délivrance. Je proclame ta délivrance. Je commande les forces, les ténèbres, l'esprit de la sorcellerie, de lâcher totalement ta vie. Je te libère maintenant même, dans le nom de Jésus. Reçois maintenant même ta délivrance, au nom de Jésus. Reçois maintenant même ta délivrance. La puissance de Jésus te délivre. Ta main te libère maintenant, au nom de Jésus. La main de Jésus. La main de Jésus. La main de Jésus. Reçois maintenant la main de Jésus. Reçois ta délivrance. Venez, vous avez les mains là, venez. Venez. Allez. Lâche-la. Lâche totalement sa vie. Au nom de Jésus, puissance des ténèbres. Je te commande par la puissance et dans le sang de l'agneau. Lâche-la. Lâche-la! Feu! Lâche-la! Tu vas libérer sa vie au nom de Jésus, puissant de la sorcellerie. Tu vas libérer totalement sa vie dans le nom de Jésus. Je maudis ta présence et lâche-la. 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 Je refuse que tu détruis cette âme. Lâche son âme, je m'attends. Lâche-la au nom de Jésus. Le feu consume tes œuvres. Et tu la libères maintenant même. Au nom de Jésus. Lâche-la. Lâche-la. Va-t'en. Libère-moi totalement cette vie de la puissance qui est dans le sang de l'agneau. Au nom de Jésus, je détruis ton pouvoir. Je détruis ton pouvoir. Au nom de Jésus, la puissance de Jésus te délivre. La puissance de Jésus te délivre. La puissance te libère. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Pour la délivrance qui t'accorde. Cette soeur, pour la délivrance que tu accordes à cette soeur. Merci Jésus, merci maintenant,
dans le nom de Jésus. Je commande aux esprits de lâcher ton âme et de délivrer totalement de Jésus. Ton âme soit libérée au nom de Jésus. Je proclame ta délivrance. Je commande aux esprits. Lâchez-la. 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 Vous libérez son âme. Et vous libérez totalement sa vie au nom puissant de Jésus. Merci pour la délivrance que tu accordes maintenant. Merci au nom de Jésus. Pendant que je prie, là où tu as été, la main de Jésus te visite et la main de mon Dieu te guérit. Jésus-Christ te guérit maintenant même. Jésus-Christ te délivre maintenant. Que soit la délivrance au nom de Jésus. On dit amen. Amen. Dis à quelqu'un, Jésus te bénit. Jésus te bénit. Dis à quelqu'un, Jésus te bénit. Veuillez vous asseoir. Dis à quelqu'un, Jésus te bénit. Amen. Amen. Venez. Restez là. Ça va? C'est vous qui les sorciers détruisent tout ça? Ils l'ont déjà mangé. Vous voulez la voir? Ils l'ont déjà mangé. Sorcellerie. Bien. Elle c'est qui? Viens. C'est qui? Hein? Faut parler fort, c'est qui? T'as quoi? Qu'est-ce que tu as fait, ciel? Qu'est-ce que tu as fait, ciel? Hein? Toi et ta grand-mère, vous l'avez mangé. Comment? À la manger à sorcellerie. Comment tu t'es arrangé pour manger? Chaque bouffe un peu. Hein? Elle bouffe un peu. Et toi, tu fais quoi? Toi, tu chutes la bouffe. Et vous avez fini de bouffer. Hein? Vous la mangez un peu. Faut pas la frapper après. Hein? Hein? T'as compris? Moi j'ai pris. Ouais, on va la délivrer. Hein? Tu l'as trop regardé de façon comme ça. Non, non, pourquoi ton père va faire ça du tout? T'as compris? C'est moi qui lui ai fait venir, il a la délivré. T'as vu qu'il te donnait son transport pour la faire venir? Oui, moi j'ai. T'as compris? Parce que je savais qu'elle était déjà morte. Il fallait qu'on la délivre. Ok? Vous l'avez déjà tué. Elle allait mourir quand? En février. En février prochain. Hein? Et c'est vrai, c'est pas faux. Tu sens que ton cœur bat, c'est ça? Tu sens que ça te coince? Ton cœur étouffé. Et on te dit quoi? Tu n'as plus de sang. Oui, mais jamais de sang. Mais tu n'as pas de problème de sang, tout ça? Non. Non. Oui, on sent que tu as une anémie. On sent que tu as une anémie. Regardez sa paume. On sent que tu as une anémie. Tu crois à la puissance de Jésus? Oui. Tu es déjà chrétien? Oui. Tu crois que Jésus peut te guérir? Mmh. Moi, je crois pour ta délivrance. Tu comprends? Amen. Je suis convaincu que Jésus va te guérir. Amen. Je suis convaincu qu'il va totalement te délivrer. Amen. Tu as compris? Je prie que la puissance de Jésus et tout ce qui a été détruit dans cette vie soit respecté au nom de Jésus. Mon cœur revient. Je lui donne le cœur. Jésus, la puissance de Dieu te libère. Je sens que ton cœur est en train de sauter. Je sens un mouvement dans ton cœur. Je sens quelque chose en train de bouger. La puissance de Dieu te bénit maintenant. La main de Jésus te bénit maintenant.
sa puissance te guérit maintenant. Sa puissance te libère. La puissance de Jésus. La puissance de Dieu. Ton cœur saute. Saute, saute. Viens, viens. C'est même pas normal, salut. Le système. Chasser l'esprit de mort, ça va sortir de ton corps. Ça va sortir. Voilà. Va. 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 Allez. Feu. Va-t'en. 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 Je chasse l'esprit de mort. Je chasse l'esprit de mort. Je chasse l'esprit de mort. Oui, au nom de Jésus-Christ, je chasse. Va-t'en. Oui, va-t'en. 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 Tu vas la libérer et c'est un ordre. Va-t'en. Lâche-la. Oui, lâche-la. Lâche-la.